Salut à tous, aujourd'hui on a reçu le Tiberius 9.1 dans sa version Elite First Strike. Il est équipé d'une lunette 4x32, d'une crosse type M4, d'un laser, d'une lampe tactique, d'un bipied et d'une poignée repliable. Il fonctionne en CO2 à l'aide de sparklets ou en air. Il est d'origine compatible First Strike, la fameuse bille à ailettes, et nous allons donc le tester avec celle-ci. Maintenant, place au test. Pour ce test, on a placé une cible à 40 mètres et c'est celle qui va tirer. À ce qui paraît, la First Strike est douloureuse. Après le test de distance, place au test de douleur. Hé, hey, connard ! Ouais ! Je suis désolé, Rix. Les accessoires Tiberius laissent à désirer, ce modèle de lampe tactique qu'on a reçu nous a lâché au bout du quatrième allumage, le bipied a du jeu, il est bancal, pour une version élite c'est pas terrible, mais le lanceur en lui-même c'est le top, un lanceur efficace. Concernant la bille First Strike, on en est également très satisfait, c'est une bille qui vole droit, qui casse bien et qui marquera très bien vos adversaires. Attention au stockage cependant, les ailettes sont super fragiles et 100 billes pour 65€, on peut dire que ça fait sacrément mal aux couilles. Un ensemble Tiberius dont on est satisfait, un ensemble qu'on vous recommande donc. Hé, hey, connard ! Ouais ! Ah